Le coup d'envoi de la première édition de la compétition d'aviron Masters Rowing a été donné samedi à la Marina Burgra Gassalé avec la participation de l'équipe d'aviron de l'Université d'Oxford. Initiée par l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat en collaboration avec la Fédération royale marocaine d'aviron et la Marina Burgra, cette première édition qui réunit les meilleurs joueurs marocains de l'aviron ainsi que ceux de l'équipe de l'Université d'Oxford comprend un programme de 2 jours de compétition qui s'étendra sur 800 mètres tout au long de la vallée de Bourgrag. On est vraiment ravis de pouvoir offrir quelque chose de différent ici à Rabat, à Salé, et d'avoir invité une équipe comme Oxford. Et si ça marche cette année, il y a un intérêt, l'année prochaine on va le refaire. Ce que j'aimerais bien faire, c'est de finir à côté du UDIS qui est par là, puisque ça c'est un fond qui est très 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 beau. Et ça, pour vous montrer la beauté de la ville de Rabat et Salé, sera vraiment superbe. Donc peut-être l'année prochaine, on va le faire à l'autre bout de la rivière. Mais aujourd'hui, je suis absolument ravi que du monde soit venu et qu'il y a autant de personnes ici et que les deux équipes sont ici sur la rivière. Il s'agit donc d'un moment propice et historique qui interpellera les futures générations à le commémorer, le préserver, voire même le fructifier dans le but de renforcer davantage les bonnes relations entre le Maroc et la Grande-Bretagne.